Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharaoh avec Aliat et on se retrouve pour... Eh ben je pense aller tâter un petit peu du Ramsès. Alors on pourrait temporiser en allant raser les trucs pour faire des ressources. Piller, raser 75 et 64 et 5, c'est pas si mal. 64, 19 et 5, ok. On va temporiser pour aller raser un peu des ressources en fait. Excusez-moi mais hein, on se refait pas. Hop, on démolit le truc. On le conquiert. Ouais, on peut se permettre ça complètement. Et du coup, si je veux me mettre en raid, je peux pas parce qu'il faut 50% et en embuscade 25%. Donc on va progresser par là. On va se mettre en embuscade dans le coin. Voilà. Combien de chances d'embuscade on a? 45%. C'est pas oufissime, hein. Mais ça peut être rigolo. Une petite embuscade sur Ramsès, là. Alors, on a un décret en rigueur. Croissance de travailleurs et croissance de main-d'œuvre. Ok, on part vers la noblesse martiale. On avait mis un chemin de façon. Hein. Par où? Par là? Ouais, là. Mentor de l'armée? Non. Ici, c'est ça. Rendre recrutement pour les généraux dans toute la faction. Ah, c'est vrai. Bah, du coup, on va essayer d'attendre avant de recruter notre prochain général. Ce sera toujours ça de prix. Et on allait chercher ce truc-là, je crois. Je crois, ouais, il y a les flèches un peu grisées, là. J'avais dû préparer ça. Munitions et dégâts des projectiles. Pour les unités, lance-projectiles de rang 9 ou supérieur. C'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite. Ok, passons le tour. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a vus. Ouh, il nous... Je sais pas s'il nous a vu, mais il est passé à deux doigts de notre zone d'embuscade. Dommage qu'on pouvait pas avancer d'un petit, un tout petit chouille. On va voir la route dans notre, notre portée, en fait, il a pris la route. La civilisation prospère. On verra ça quand ça sera rasé. Ok, on repasse en vitesse normale. On va raser ça, et après on ira raser la ville, du coup. Yep, ça nous fait des petits points en plus, hein. 5 c'est quand même pas dégueu. Non, hop là. Je veux l'armée. Tant qu'à faire, on va conquérir ça. Hop. Et on va ici. Ouais, franchement là, enfin. La défonce. Ah, on peut les dominer. Cette action rasera la colonie cible et vous donnera le contrôle d'une armée d'autochtones. Hmm. Rigolo. Démonstration de puissance, ça vaut pas le coup. Promesse de gloire pour ces troupes-là, bof. Combat singulier, 78%, c'est pareil, si on perd, c'est con. Domination, je suis pas sûr de l'intérêt pour le moment. On va se contenter de les... défoncer. Oh. Ah, c'est brutal, quoi. La masse plantée dans le crâne. Parfait. Et là, du coup, on peut raser et exterminer. 4000, 1500, 800 de bronze, 96 d'or. Et un petit 10% de reconstitution. Et on prend les éclaireurs, ce qui va nous permettre de voir tout le royaume de Ramsès. Alors, voyons voir. Le royaume de Ramsès. Ah, il est pas si grand, en vrai. Il semble être dans le mal, déjà. Peut-être pour ça qu'il allait en urgence par là, parce qu'il y avait quelque chose qui l'attaquait. Contre qui t'es en guerre? Les Pélécètes et Albaïria. Hmm. Il y a toujours une force équilibrée, donc il n'a pas dû perdre son armée. Je pense pas. Mais s'il n'a pas perdu son armée, on devrait la voir, non? C'est peut-être juste sur les villes hein, qu'on a les... la vision. Donc c'est possible qu'il soit par exemple par là et qu'on le voit pas. Mais je pense qu'il devait y avoir un truc qui lançait l'assaut ici. Il a dû se précipiter pour essayer de le sauver et c'est la... c'est l'échec. Après, ça nous arrange pas parce qu'on n'a pas, on peut pas les raser si c'est déjà rasé. Et ça, c'est bien dommage. Du coup, la suite serait plutôt par ici. Est-ce que... Non, on est dans le désert, mais on n'a pas de... Yet another journey. On n'a pas de d'attrition, donc on y va, on s'embête pas, on sera largement à portée. C'est dommage, c'est une colonie bronzière qui nous donnera du bois, mais bon, c'est toujours ça du bois. Hein. On va
On va pouvoir s'arrêter, faire une petite pause bâtiment peut-être. Non, niveau travailleur, c'est pas encore ça. Par contre, on commence à avoir des beaux bonus, hein. Ça fait plaisir quand même. On pourra peut-être piller un peu pour changer. Ah tiens, j'ai pas construit mon petit avant-poste ici. Bah tant pis, ça en laissera un pour quelqu'un qui reconquérirait le truc. Pour le moment, on a les gens qu'on a conquis qui font tampon là. Donc à moins que eux entrent en guerre contre quelqu'un. Ça devrait aller. En plus, ils apprécient qu'on soit en guerre contre Ramsès. Troupes exécutées, action militaire. Oui, bah écoutez, hein, voilà, on était en guerre, hein, c'est comme ça. On a buté tout le monde pour prendre vos armes, excusez-nous. Une épée longue. Ça sera certainement moins bien que ce qu'on a, on va retourner quand même. C'est ça, on a une matraque. Dégâts en mêlée de 10, défense en mêlée plus 4. Ah, c'est pas mal la défense en mêlée, hein. Mais là, on brise les armures. 10% de dégâts en mêlée perforant. Ouais. Non, je pense que. Alors attendez, parce que du coup, là, on perd rien. Ah, si, on perd le fait qu'on est perforant. Par contre, les dégâts, la défense en mêlée et l'attaque en mêlée, tout monte, quoi. Bah, du coup, on va prendre une épée un peu pour changer. En plus, on deviendra épéiste. Donc, on aura notre petit bonus de défense en mêlée, d'attaque en mêlée. Je sais pas si on peut le booster, ce truc-là. Parce que ça, c'est une compétence innée, mais je sais pas s'il y a moyen de le booster particulièrement. Là, on a gagné Kidnappeur, croissance des travailleurs plus 5, ok. Ah oui, ça c'est un truc qui a un seul niveau. Et je me disais, c'est bizarre, pourquoi là c'est plus 15 alors que c'est de l'autre côté. Mais non, oui. Contrairement à ceux-là où on peut partir d'un côté ou de l'autre, celui-là c'est vraiment que une jauge qui monte, ok. Mais il n'y a rien. Non, il n'y a rien a priori en rapport avec le. Ah si, c'est ça qui donne maître épéiste, ok, j'avais déjà débloqué en fait. C'est Brave qui donne maître épéiste. On peut aller jusqu'à plus 3. C'est pas mal, hein, franchement, plus 3 sur toute la zone de 60 mètres, c'est pas si mal. Et ça, il faut faire quoi? En recrutant des unités armées de Képesh ou d'épéistes et en subissant moins de pertes dans l'unité de garde du corps en bataille. Ok. Et avec l'âche, on aurait quoi? Plus 11% de portée pour les unités à distance. Ah, rigolo. Ah, par contre, j'ai vu qu'on avait un petit truc ici. Ah oui, non. J'ai un point à dépenser, excusez-moi. On va partir sur ça. Ce qui nous permet d'avoir... Frappé fort. Moins 45 secondes, dégâts en mêlée perforants. Ouais, pas mal, hein. Bon, ça vaut pas le coup, je pense, de virer le champion du combat singulier. Ça, c'est très fort en garde. Mais au prochain rang, on pourra prendre un nouveau titre, donc... Pour le coup... Ouh, ça, avec le chaque avant-poste tribal dans la faction, là, l'embuscade, elle fait plaisir. Mais ça, c'est fort, je pense, hein. Une petite capacité active, là. Touche les alliés. C'est une zone d'effet, en plus, visiblement, donc ça veut dire qu'on est sur... C'est pas juste une troupe. Ouais, ça peut être pas mal. Ok, très bien. On va garder ça de côté. Quoi d'autre? On a eu un trait, du coup, kidnappeur, on a vu. On a rencontré plein de factions hein, grâce à nos espions et on a rasé une colonie. Ben, c'est parti. On a encore des gens à raser. Ah, la vision disparaît? On va voir. Ça, c'est peut-être recalculé au début du tour. Ouais, c'est recalculé au début du tour, c'est pas illogique. Ouais, il a été prendre ça, Ramsès, ok. Donc ça devait être rasé en fait, il a envoyé son armée prendre ça. Ce qui est plutôt bien. Nous, on va pouvoir aller raser le reste de son royaume pendant ce temps-là. On rase. Alors, ça nous rembourse pas tout à fait un avant-poste hein, qui coûte quand même 170 de pierre, mais c'est quand même pas mal. Hein. Est-ce qu'on peut aller raser un truc? On peut pas aller raser un truc, dommage. Attaquer ça tout de suite alors qu'il y a 12 de. Garnison plus l'armée. Non, on va se mettre en mode raid.
Our search continues. Et on, comme ça, on va aller... Attends, en plus, on génère vachement, la vache, 205 de bronze et 3 d'éminence, excellent. On va tranquillement se déplacer pour aller raser les petits avant-postes partout, avant de raser les villes principales. Ça me paraît plutôt un bon plan. Ah, on a débloqué plein de trucs, ouais, tout, bah oui, en gros, dès qu'on rase des colonies, on sème le chaos en Égypte. Excellent. Si c'est encore en train de construire, mais là du coup, sans de nourriture. On en a une paire, hein, mine de rien, de petits avant-postes tribaux, là. Hein. Personne ne les a détruits encore? Si on n'avait pas fait encore, on a commencé à en faire à partir de cet endroit-là. Et ça doit tellement handicaper, quoi, d'avoir ça posé dans son territoire. Vache. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire chier le monde comme ça. C'est très rigolo. Je me demande s'il y a des avant-postes qui sont désertés. Si on peut les choper sans que ça déclenche une guerre. Allez, on passe le tour. Les tours passent un peu plus vite, hein, bien sûr, avec lui, vu qu'on n'a qu'une seule armée à gérer, contrairement à toutes les colonies. Mais ça fait quand même que la partie est plus dynamique, du coup. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup ce gameplay pour le moment. Hein. Alors, les suivants d'Horus, ça va me permettre de regarder... Est-ce que ça me rajoute un deuxième char? Non, c'est toujours un. Ok. Très bien. Là, par contre, on peut commencer à recruter du comme ça si on le souhaite. Grâce à notre bâtiment. Hardship cannot last. Alors là, c'est 22 et 5, et là, c'est 44, 4 et 5. On va aller chercher ça. Pas de pénalité de déplacement en raid, c'est pas mal, hein. More to be done. Allez, hop. Il pollue la tronche, ça leur apprendra. Bon, on a pris un peu d'attrition, mais on regagne. Hein. Et on est level 16, donc on peut prendre ce truc-là. L'entretien et la reconstitution sont pas dégueulasses, mais le frapper fort, il me plaît bien. Hein. Ah, et en plus, j'avais pas vu, on a 150 d'XP par tour pour les généraux. Go. Go, go, go. On va continuer de prendre le déplacement pour aller chercher à l'attaque. Et après, on travaillera peut-être un peu sur les autres. C'est quoi ce truc-là? Disciple de Kuvaya, morale, défense, attaque en mêlée. Pas mal. Ah mais non, seulement en mode campement. Oui, non, c'est un peu moins intéressant du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre à 11? Bonheur et production de ressources dans la province, ouais. Et là, embrasse la civilisation... C'est un bonus pour les unités sédentaires. Ok, ceux à 11, ils sont pas ouf pour nous. Attaque de flanc améliorée, ça c'est pas mal par contre. Pour les unités de la horde. Et là, champion du folklore. On va bien se trouver un petit général à qui mettre champion du folklore. Obligé. Bon, par contre, ça donne de la croissance de main d'œuvre, ce qui est à chier, mais... Rien que pour le nom. Le visage de la terreur. Sème l'épouvante et peur de rien pour toutes les unités niveau 4 et 5. Waouh. Ça c'est cool. En plus on a un malus de morale aux unités autour. Idole inspirée. On gagne l'encouragement. Pour toutes les unités sédentaires. Ouais donc dommage pas pour nous. Enfin pas trop. Et cri d'inspiration pour les gardes du corps. Qui augmente un peu le moral. Ça me fait penser que... Est-ce qu'on peut savoir si des unités sont de la horde ou pas? Ah, ça doit être ça. Hein. Peut-être. Genre, toi... Bon, ils ont tous ce symbole-là. Et dans le recrutement... Bon, ça c'est vraiment le coup d'entretien, ce petit symbole, ok, avec la petite louche. Ah, mais peut-être ça, là. Non. Dans les trucs ici. Tenir la position, pilleur, recul, jet de sable, avancer. Ah, on n'a pas d'infos directement si c'est de la horde ou pas. Dommage ça.
FNQ cananéen, ouais, j'imagine que c'est considéré comme du sédentaire, ça, du coup. Ou autochtone, en tout cas. Ok, c'est pas très grave. C'est pas très très grave. On passe le tour, on continue de raser. Ah, tiens, il a renvoyé quelqu'un par là, Ramsès, et là, il se replie. Ouais, alors là, vu que c'était genre très peu à raser, on va peut-être s'occuper de la ville, du coup, à la place. Ça dérange pas forcément qu'il arrive par derrière pour reprendre ses trucs, parce que du coup ça lance le compte à rebours où on peut re-raser là. Toi tu veux quoi? On te donne de la pierre en échange de nourriture. Alors non, c'est trop, hein. Pas déconner. Toi c'est pareil, je vois pas pourquoi je t'accorderais ça. Donc on a 20 000 de nourriture désormais. D'autres tribus des peuples de la mer lancent une invasion. On a aperçu des bateaux avec des guerriers venus de loin à leur bord, et d'autres suivent derrière en nombre. Pendant ce temps, loin de la côte, dans le désert occidental, les envahisseurs Libou sentent une opportunité. La vague approche. Ok, alors du coup, Contentment is a strange wine. est-ce que ça vaut le coup de This is where refaire the fun celui-là? begins. Au moins pour maintenir le côté amical, parce que quand on n'a pas d'accord, ça diminue. En plus, il est en guerre. Ah, il est en guerre contre les envahisseurs liboutiens. Il est en guerre contre Pheramone, et ça, Pheramone, c'est une faction du coin. On va peut-être pas renouveler avec eux. Comme ça, si on tombe sur eux, on pourra toujours aller leur mettre des fessées. Ah, ici, il commence à se renforcer, là. Ah non, ça c'est une rébellion. Ok, d'accord, c'est une rébellion. Ramsès s'est rendu là, du coup. Vache. Si il a foutu passer par là. Et donc derrière, il a envoyé un petit général tout seul reprendre les villes. Ça me va. Ça me va franchement bien. Là, du coup, on est d'accord. Ah, mais on peut directement. Roi actuel 5. Ah non, c'est le butin de guerre, c'est pas la ville. Oui, c'est ça. Alors, c'est quand même 1000 de bouffe, hein. Sur une ville normale, on va dire, j'en ai pas là en vision. Là, il y a des auxiliaires ici. Là, il y a de la bouffe. Ouais, 7000 pour une ville un peu plus améliorée. On n'a pas d'intérêt à retourner directement là-bas. Donc, on va se mettre en marche normale et lancer l'assaut sur Nekial. Allez, pour le plaisir, on va quand même s'en faire une petite bataille à la main, voir un peu à quoi ça ressemble. Du côté des Égyptiens. Alors déjà, ils sont bien renforcés dans leur montagne, visiblement, sur cette ville-là. Chaleur étouffante, ça me convient pour moi. En plus, on a un bel effet de chaleur. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Du moral pour la faction, et là, réparation d'armure, c'est ça? Ouais. Mais il faut arriver à côté. Et je pense qu'on pourrait rentrer par ces trois endroits-là. Donc, on va avoir un groupe leadé par toi. Un groupe leadé par toi. Très bien. Du coup, on va te filer de l'épéiste. Aussi un petit peu d'épéiste, mais surtout du chargeur pour toi. Un petit peu de frondeur ici, un petit peu de frondeur là. On va prendre le mec à poil avec toi. Et toi, on va te laisser ici. Donc vous, vous allez essayer de rentrer carrément par l'opposé. Eux, ils peuvent pas capturer, hein. Ah, y a pas, c'est pas marqué comme quoi ils peuvent pas capturer. Par contre, c'est marqué unité de la Horde sur eux. Ah, du coup, alors attendez. Unité de la Horde, unité. Ok, donc ceux qui n'ont pas unité de la Horde, c'est que c'est pas des unités de la Horde. Très bien, d'accord. C'est ça comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Lui, il n'a pas unité de la Horde, par exemple. Donc ce n'est pas une unité de la Horde. Alors s'ils peuvent capturer, ça peut être rigolo, hein. Est-ce qu'on se fait du coup un petit truc en embuscade là? Je suis pas sûr que ça vaille bien le coup, hein. Non, je pense pas que ça vaille le coup.
pense pas que ça vaille le coup. Hein. Par contre, on a un petit peu trop de monde ici. On va en mettre deux là. Ensuite, du coup, toi, avec tes frondeurs, on va prendre ce côté-là. Et ici, ce côté-là. Voilà. C'est parti. Regardez un peu ce qu'il nous a proposé. Donc ici, il n'y a personne, visiblement. Marcher jusqu'ici. Pas la peine de courir pour le moment. Du coup, vous, si tout est collé là, il y a 1, 2, 3, 4 unités qu'on voit. On voit pas tout le monde, mais il doit pas y avoir grand monde encore dans la ville. Donc vous, on va envoyer le char. Ah oui, il a une capture impossible, c'est bien ce qui me semblait. Essaye d'aller jusque là. On va prendre deux troupes en éclaireur. On va envoyer des renforts là-bas pour essayer éventuellement charger dans le dos de ceux-là. Et ici, les frondeurs. Ils vont courir jusque là. Ok, ils vont même courir jusque sur les archers derrière, ça me va encore mieux. Ici, épée et bouclier, ouais, gros bonus d'armure. Ça m'étonnerait que ça vaille le coup, on va se concentrer sur les autres. On va les faire courir jusqu'ici. Ça reste un petit peu étroit, mais c'est pas grave. On va les faire courir jusqu'ici avec le chargeur bah, qui va aller derrière, même si je pense qu'il pourra pas se faufiler. C'est parti. Ok, on voit plus de monde là. Très bien. Marchez jusque là. Du coup, vous... venez plutôt par là. Ouah, t'as qu'à courir un peu. T'es un char, après tout. Pareil pour vous. Courez. Vous allez être fatigué, mais c'est pas grave. Là, il est en train de changer de... Il est en train de changer ses troupes. Alors attention, les frondeurs qui vont pas faire n'importe quoi. Mettez-vous là. Ici, pour le moment... Il fait pas trop le malin. On va envoyer au chargé. Plus un mec comme ça. Ici, pareil. On charge avec quelques troupes. Il est en train de ramener des archers. Shootez-moi ça. Là, chargé par ici. Là, on court. Ils sont déjà arrivés. Ah non, c'est des ennemis, ça. Ils nous emmerdent. Et bah go, on va les dépouiller eux, il n'y a pas trop de doute. En fait je pense que eux ils peuvent capturer parce que si on les fait descendre, ils ont la possibilité de capturer. Viens par là toi pour avoir ton... donner ton bonus de maître épéiste aux copains, même si ça c'est des mecs à hache. Frappez fort! Oh la vache, on me défonce du coup! Les frondeurs font le taf également. Alors là, il y a le général. On va peut-être envoyer un peu de renfort du coup. Ici, on est engagé. Ils devraient perdre. Ici, ils ont le genre des routes ou pas encore? Pas encore, mais ça va pas tarder. On voit les chars traverser, et, là c'est la merde pour eux. Excellent. Foncez par là. Ah tiens, là il y a de l'archer qui fout la merde. Vas-y, on va essayer de traverser ça avec les chars. Attends, les chars, mine de rien, même s'ils attaquent pas directement, rien que le fait de les faire pousser à travers, ça leur fait mal. Ici, c'est la déroute pour eux. Excellent. Avancez jusque-là. Pareil pour vous. Avancez jusque-là. Là, du coup... Ah, mais là, on est carrément en train de rien faire, en fait. Go. 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 Chopez-le. Enfin, il va s'enfuir, donc ça vaut pas le coup. On va choper une petite unité de marins à la con. Va nous capturer ça.
Et vous deux, alors il nous faudrait, voilà, vous deux, allez vous placer par là-bas dans le dos. On va aller les travailler un peu au corps. En avant. Ici, on le découpe un peu plus parce que pourquoi pas. Et vous allez quand même courir par là-bas. Les chars à bœufs qui font le taf. Ici, on est fatigué, mais on combat. Là, ils sont tombés sur les archers, c'est ça qui les ont arrêtés. Ouais. Toi, je t'ai demandé de courir jusqu'ici, en avant. Donc, vous courez faire une petite charge de dos ici, là, comme ça, c'est ça. Si ça ne cassait pas, ça va céder après. Là, on est englué dans les autres qui essaient de s'enfuir, là. Du coup, nos bœufs sont quand même moins souples que des chevaux, on va dire. Ils galèrent un peu. Allez, essayez de passer. Ici, on va prendre vous. Charge de dos, s'il vous plaît. Ici, charge de dos. Ça, on va en finir assez vite. Ben voilà, ça y est, ils nous voient arriver là. Ils nous voient arriver dans leur dos, entre guillemets, si on peut parler de voir dans le dos. Et ils sont un petit peu en PLS. En avant, poursuivez-les. Ici, ils se sont reformés. Excellent, ça va nous laisser me donner l'occasion de buter un peu plus de monde. Ah ouf, le moral qui se casse la figure là. Ok, c'est la déroute. Go. 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 On va passer en vitesse 3, on va essayer de les raser le plus possible. Les chars, ils galèrent là dans les rues. Ils sont trop nombreux, en fait, ils sont 15. C'est énorme par rapport à la taille des rues avec leur gros bourrin de bœuf là. Ah vache, avec le bouclier, on sent que c'est compliqué de les faire tomber. Ça y est, ils perdent de la vie. Bon, chopez-moi ça. Chopez-moi ça. L'unité d'archer, là, notamment, j'aimerais bien me la faire, là. Elle est encore pleine, ça m'embête un peu. On les intercepte. Bon, on fait du tir à mi, je pense, là, sans trop de... Sans trop de doute, mais c'est pas grave. Voilà, ça le fera. On a bien éliminé les archers. Il y aura 173 troupes contre 158 pertes chez nous. Ça va. Nos mecs commencent à être vraiment bien, bien costauds. Même les archers, ils galèrent à faire du dégât. Ah ouais, la vache, quoi. Il y a eux qui ont fait un peu le taf. 26 victimes. Alors, par rapport à nous, même nos marins, là, qui ont hyper mal. On rase. Hop là! No one shall deny my people a new home. On peut se permettre une petite construction. Donc la suite, ce serait de se déplacer par là pour aller chercher cet avant-poste. Il nous faudrait un Yet another 25%, journey. voilà. No shame in breast. Ah, on pourrait améliorer notre idole. J'aime assez l'idée, ça nous permettrait de dévouer Aliat. On va faire ça. Et après, on ira peut-être chercher le niveau max ici pour avoir les bâtiments qui dépotent là. Parfait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a gagné? Butin de guerre. D'autres tribus arrivent. L'échange expiré, je crois qu'on l'a fait. On a débloqué la voie de la destruction. Rigolo.
La voie de la destruction, c'est où? C'est là. 50 colonies rasées. Ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. Ah, il est devenu brave 2, très bien. Donc ça veut dire qu'on a, on a le bonus d'épéiste plus plus. Donc on a une construction de horde encore disponible. Ah oui, dans les bâtiments dispo là. Mais nous on va vouloir aller chercher ça donc. Après, est-ce que c'est vraiment. C'est rigolo, hein. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Le 1 d'influence là, il est bizarre. Le 1 rouge là. Ça ressemble au symbole d'influence, ouais. On peut lancer une bataille avec les portes détruites. Ça a déjà marché une fois, pourquoi pas deux? Les portes détruites, ouais. Est-ce intéressant? En gros, ça nous économise des béliers. Il faut quand même qu'on construise des tours de siège. Après, le bélier est cher à construire. Ouais, si, je pense qu'on va le faire juste pour le trip. Pour voir ce que ça donne. Du coup, au niveau des échanges expirés. Oui, non, on avait dit la nourriture. On ne refait pas avec eux. Parce que on veut éventuellement pouvoir rentrer en guerre contre eux. Donc, fin de tour. C'est parti. Alors, Ramsès. Il reparle avec son petit général. Bon, ok, je suis pas sûr que là ça tienne sans lui, mais admettons. Ici, pour le moment, ils font leur vie. Il a quand même refait un territoire sympathique, lui, hein, mine de rien, il en a profité, hein. Le peuple voisin, qui est très fort visiblement, en même temps ils arrivent avec plusieurs armées, hein. Nous on n'en a qu'une. Et du coup, là on peut dévouer un général. Et bah Aliat, hein. Comme ça, un général dévoué, bonus de charge, dégâts en mêlée plus 10% pour la horde. Ça va picoter. Ça va picoter. Stand by, men. Allez, on va se poser un petit village ici. Yes. Et ce qu'il nous vaudrait, c'est des travailleurs. Est-ce qu'on a des travailleurs de la Horde pas loin? Travailleurs de camp là. Putain, ils sont hyper loin. Merde. Strong steel. On attaquerait la capitale de notre ami. Waouh, là par contre. Il va falloir qu'on se fasse les avant-postes. En plus, il y a du mercenaire à Spirou là qui est bien costaud. Envahisseur à Pyrrhus. Ici encore du mercenaire, beaucoup de monde, pas mal d'archers, plus les murs. Oui, ça va être un peu plus énervé. Après, par contre, on lui a tellement pourri sa zone, quoi. Que cette ville-là, ça doit être là, elle doit faire la gueule, non? Ah, il arrive quand même à compenser. Ouais, parce qu'il a une répression militaire. Il vient de détruire sa rébellion, c'est pour ça. This tour shall pass. Alors, un petit niveau de plus. On a dit qu'on allait chercher ça. Et après, on s'intéressera peut-être aux autres bonus. Peut-être un petit peu plus de croissance, ça pourrait être pas mal parce que nos bâtiments vont commencer à coûter cher. Expecting the unexpected. Le raid, c'est 50%, ouais, donc c'est un petit peu chaud, hein, d'aller jusqu'ici, là. C'est du 10% si on va jusque-là, donc ça nous sert pas à grand-chose. Et là, il y a un grand désert à traverser, mais si on passe par la route, on n'a pas d'attrition. Quoi pas? Alors, More to be done. on pose notre campement au milieu, là. On va juste, genre, juste We move. ici. I have spoken. Et on se met en embuscade. Ou en campement et on construit. En embuscade, tiens. On va voir Surprise is on our side. s'il décide de venir. Alors, on est en plein désert, hein, donc je pense que nos chances vont pas être ouf. Mais s'il décide de venir, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo de le prendre en embuscade là, pour s'il veut essayer d'aller récupérer son truc. Du coup, on va arrêter cet épisode-là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!